Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Yo-Kai Laylee and the Impossible Lair. J'espère que je l'ai bien dit. Bref, c'est un jeu édité par la Team 17, développé par Playtonic Games. La sortie française, c'est le 8 octobre 2019. Le titre, c'est un jeu d'action, plateforme, aventure. C'est déconseillé au moins de 3 ans. En gros, c'est pour tout public. On est sur PlayStation 4. C'est également disponible sur Xbox One, PC et la Nintendo Switch. N'oubliez pas les petits loups de laisser un petit like à cette vidéo si vous voulez soutenir la chaîne et la vidéo. Et bien entendu, de me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires une fois que la vidéo sera finie. Allez, on est parti. Waouh, on est arrivé dans le Domiel Royal. Ah, c'est ce duo dominable. Capitaine B, nous sommes là pour t'éliminer. Encore. Yoka et Lady, vous êtes là. Aidez-moi à arrêter Capitaine B. Il a créé un appareil qui contrôle l'esprit des abeilles. Le Dompteur descend. Ça a l'air sympa. On devrait s'inquiéter? Oui, il l'utilisera pour asservir toutes les abeilles du Domiel Royal. La dernière chose dont Capitaine B a besoin, c'est davantage de main-d'œuvre. Je resterai bien à voir vous, je pense, avec vous, je pense, mais j'ai des mondes à conquérir. Oh, on l'a échappé belle! Moi, je commence tout juste à être chaud. Vite, par ici. Appuyez sur croix pour sauter et faites attention au piège. Je me suis mordu la langue en parlant. Très bien, Lady. Allons aider Queen Phoebe. Je crois qu'on dit Phoebe, hein, comme dans Friends. Petit jeu tranquille, hein. On va passer un bon moment, je pense, durant cette découverte. J'avais fait le Clock Eye Lady, mais celui-ci a l'air un poil différent. Alors, pour avoir la corde, est-ce qu'il faut appuyer une deuxième fois ou... D'accord. Je réessaye bien pour être sûr. Ok, c'est bon. J'ai compris. Ça va pas être simple qu'on fera ça en mode speedrun, mais... On y va, parce que Capitaine B, lui, il va pas nous attendre. Là, c'est là où je me suis dit, ça va pas être évident. Ah, on peut rester agrippé. Ok. Et je me suis dit, si on pouvait pas forcément... D'ailleurs, est-ce que c'est un caméléon ou est-ce que c'est un lézard? Je vous laisse me dire. Enfin, j'avoue, je vois pas trop la différence. Hein. Mais de me dire si c'est un caméléon ou un lézard, je sais pas. Ah, Boris, mon employé préféré. Ne laisse pas passer Yo-Kai. Et hop là, direct. Tu crois quoi? Bah oui, j'ai frappé Boris. C'était pas contre lui, mais... Que diriez-vous d'une défaite écrasante? Jamais de la vie. On est bien trop rapide. Hop là, la roulade et on saute. Pareil, roulade et on saute. Bon, par contre, je ne pourrais pas lire en même temps que je joue. Hein. Je suis pas capable de faire les deux. Et là, on va faire pareil. Attention. 1, 2, roulade et on saute. Ça va, c'est assez facile à prendre en main. Parfait, vous êtes là. J'ai rallié mon bouclier de soldat d'abeille pour nous aider. Satané bouclier de soldat d'abeille, ça a l'air efficace, mais voyons s'il résiste à ça. Grrr, des renforts. Voyons si vos soldats d'abeille supportent une puissance de feu digne de ce nom. Oh non, on s'en sortira jamais vivant. On doit vraiment éliminer Capitaine B. Il ferait peut-être un bon souverain. N'ayez crainte, poule mouillée. Prenez mon bouclier de soldats d'abeilles. Ils écraseront les coups à votre place. Ils encaisseront, pardon. J'ai du mal à lire. Prenez-les et arrêtez ce monstre. Wouah, on est chaud bouillant. Allez, Yo-Kai. Testons-le en avant. Il a pas forcément dit ça, mais... Du coup, comme on l'utilise, le... On passe, tout simplement. D'accord, ah oui, j'ai compris le principe du bouclier en question. Hop là. Oh, il était pas loin. Hein.
Allez, allez, allez. C'est vrai que ce bouclier est assez puissant. Vas-y, on va. On rush comme ça. Je pense que le bouclier, il est fait pour qu'on aille un petit peu à fond. Et j'avoue, comment le droit est dessiné, etc. Ça fait penser à un niveau dans Mario. C'est un niveau où il y avait un bateau pirate. Enfin, un bateau tout court. Avec plein de canons. Et j'ai l'impression que les canons, bah, c'est un peu ça. Bon, bien entendu, hein. Si j'ai pas le bouclier, j'aurais pas joué un peu à foncer dans le tas. Tricheur, vous ne seriez jamais arrivé aussi loin sans votre petit truc d'invincibilité. Mais vous oubliez quelque chose. Il est temps d'activer mon dompteur dessin. Hop. Merci de les avoir échauffés. Ces fichus soldats abeilles travaillent pour moi maintenant. Mouah, ça chatouille. Je vais utiliser les soldats abeilles et emprisonner ce dont je n'ai pas besoin. Non. Maintenant, c'est ton esprit que je vais contrôler, Queen Bidule. Prépare-toi à devenir un bourdon sans cervelle. Espèce de monstre. Mince, peu de jus. Reste ici pendant que je recharge. Il va réduire le dominion royal en esclavage. C'est à toi de jouer maintenant, Yokai. Va lui voter le dard. Mais attention, pas de soda bay cette fois. Et on va la jouer réglo. Ça me connaît. Une porte de boss. On n'a qu'à appuyer en haut pour entrer et lui voter le derrière. Ah, c'est parti. Ah, dès le début, un petit combat de boss. Pourquoi pas. Coucou, y'a quelqu'un? Oh, le dompteur des seins est rechargé. Gare à vos miches. On t'a déjà battu une fois, on peut remettre ça. Vous n'aurez pas autant de chance cette fois-ci. Préparez-vous, j'arrive. Voilà. Il n'y a pas l'air de rigoler. Ah, c'est bon. Ah d'accord, on peut le sauter dessus. Je pensais qu'il fallait juste esquiver. Hop là, une deuxième fois. Même pas mal. Lady, tu fais où? Bah, je pense que celui-ci. Voilà. Ah, zut. Bon, j'ai essayé de la jouer en glissade alors que je pouvais sauter pour les deux. Ah, on peut quand même revenir. Ah non, en fait, on peut pas revenir. Bon, c'est pas grave, c'est la première fois qu'on affrontait le boss. On était pas forcément prêts. Vite, ne restez pas ici. Vous devez retourner au domaine royal et arrêter Capitaine B. Ah, et si on disait qu'on est à égalité. Il active le dompteur des seins pour tenter de contrôler toutes les abeilles de mon monde. S'il y arrive, il pourra régner sur tout mon domaine royal. Mais ce repère impossible est impossible. On n'a aucune chance sans vos soldats abeilles pour nous protéger. Je crois que je peux faire quelque chose. Si j'arrache les chapitres avec les soldats abeilles emprisonnés, vous pourriez sauver les... Enfin, vous pourriez les sauver. Reculez. Oh, oh, ça va exploser. Vous avez réussi. Vite, ne restez pas ici. Oh. Bien, commençons par sauver un soldat abeille de ce chapitre. Laissez-nous faire, Majesté. On s'en charge. Ah bah nice. En fait, franchement, je pense qu'il fallait perdre. Enfin, on est obligé de perdre contre le boss. Franchement, c'est vraiment mignon tout plein. D'accord, allez, on y va. Et comme je le disais auparavant, je pense que c'était fait exprès qu'on perd contre le boss. Après, en fait, je dois juste savoir ce que ça aurait donné sinon. Hop là. Et c'est vraiment tout beau. Moi, j'adore les jeux comme ça. Après, je trouve qu'il en manque. Que. Ah, ça, c'est pour appeler Lady si elle se fait attraper.
Parfait. Mais je trouve que les petites plateformes, c'est beaucoup moins courant qu'à l'époque. À l'époque, t'envoyais des tas et des tas et des tas. Là, c'est... Je dis pas que c'est pas courant, mais beaucoup moins qu'à une époque. Alors, ramasser un objet... Ah, revêt. Hop là. Et ensuite... Ok. Alors, voilà. Hop, la plus petite plume d'or, on essaie d'arriver à 100. Ça, c'est une sorte de checkpoint, je pense. Attention, feu! Feu! J'ai pas fait exprès, j'ai tout tué. J'ai tout tué. Oh, désolé. Bah, il est peut-être pas déconseillé au moins de... Enfin, en gros, il est peut-être pas tout public. Peut-être qu'il peut être déconseillé au moins de 7 ans. Parce que vu que tu tapes sur des... Même s'ils sont mignons, tu tapes quand même sur des gens. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, qu'il est pour les moins de 7 ans. Mais bon, accompagné d'un adulte, je pense que ça fera l'affaire. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de taper sur les ennemis. Hein. Vite! Attends, reviens! Hop! Et voilà. Voilà. Mon objectif d'avoir plus de sang, il est accompli. Et il peut pas taper vers le bas. Très bien. J'aurais peut-être dû monter, ouais. Bon, il y a une porte. Je peux pas y aller, forcément. Je pense que j'aurais dû prendre la caisse et sauter avec. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu le jeu, ce qu'il donne. 1, 2, 3, et on passe à gauche. Salut, toi. Et vous, généralement... Ah, je pensais qu'il ou elle, voilà, pouvait sauter et taper en même temps. Attention, 1, 2, et voilà. Par contre, j'aurais bien aimé revenir là. Et la musique aussi, vraiment excellente. Je ferai en sorte qu'on ait le son du jeu assez fort. Voilà. Et il revient. Merci. Oh. Ah, franchement, je kiffe la musique. Là, je suis en kiff, mais comme pas possible. J'aime bien dans la musique de jeu. Mais surtout les petits jeux comme ça, là, généralement, c'est ça régale. Ah, là, par contre, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Oh, mais t'es généreux, toi, dis donc. Et voilà. Allez, on sort la tête de l'eau. À voir, on peut rester dans l'eau assez longtemps. Une claque. Alors, saut. Elle... Ah, bah voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais sauté, je faisais carré. Que je me disais, tiens. Mais au final... au secours. Ah. Pété assez rapide. Désolé. Petit escargophone. À la une, à la deux, à la trois. Le pauvre. Qu'est-ce qu'on fait aux escargots? Ils nous ont rien demandé. Ils sont là. Ils marchaient tranquilles et nous... on le mange. Et après on le jette. Pas cool. Attention. Voilà. Petit save, je pense qu'on va faire ça. Ouais, mais je voudrais vérifier ici. Reviens là. Oh, reviens. Par contre... vite, 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 vite. Non, non, non. Non. Attends. Oh, au secours. En fait, je voulais faire ça. Hop. Voilà. Ah oui, on a loupé. J'ai pas fait gaffe qu'on avait récupéré des pièces aussi. Maintenant, ce que je voudrais tester un truc, c'est... Ah, bon, c'est pas grave. Est-ce que eux, on peut les attraper? Non. On peut pas les attraper. Donc, il faut faire attention. 1, 2 et 3. Ah, bah, ces caisses-là ne sont pas explosables. Par contre, ça oui! Voilà le soldat d'abeille. Ah, tweet! Quince, son avenir, ok. Check.
Merveilleux, vous avez sauvé un sol d'abeille. Vous pourrez encaisser un coup supplémentaire à l'intérieur du repère impossible de Capital B. Vous pourriez encore essayer de vaincre Capital B avec l'aide de soldats abeilles secourus. Vous pourriez chercher d'autres chapitres afin de rallier toute l'armée de soldats abeilles. Et souvenez-vous, manette sans fil déconnectée. Ah bah ça, c'est quelque chose que j'oublierai pas, sans doute. Vous pouvez réessayer le repère impossible autant de fois que vous le souhaitez. Revenez me parler si vous voulez en savoir plus. Bonne chance. Eh bien merci. Bon, je sais que la batterie elle est faible, c'est normal, c'est le temps qu'elle charge. Qu'est-ce que tu en dis, Layli? On retente le repère impossible? Ou on cherche de nouveaux chapitres pour sauver plus de soldats abeilles? Quoi qu'on fasse, il faut agir vite. Je vais être à la rentrée à temps, à la maison, pour voir mon dessin animé. Cui-cui, en route pour une aventure? Ne laissez pas cette caisse, vous bloquez le passage. Eh bien, plutôt que de laisser la caisse, vous bloquez le passage. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut, si on se sent chaud, on peut affronter Capitaine B, ou on peut continuer pour récupérer des pages et ainsi de suite. Vous avez compris un petit peu le système. Nous, on va s'arrêter là pour la vidéo découverte. Le but était de vous montrer le jeu. Je pense qu'on en a suffisamment vu. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous cherchez un jeu, bah, si vous avez des enfants, ou si c'est un enfant ou un adulte qui aime ce style de jeu, excusez-moi, vous avez bien entendu le droit, que moi j'adore, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à le prendre, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!